Et de rose, le avec quoi ça fait les roses. Ah, ça va. Que prendrez-vous, monsieur? Ça, je n'en sais rien, mon vieux. Depuis hier, j'ai dû le voir la gueule de bois. Alors, monsieur, prenez un cocktail nouveauté. Ça se voit la bouche fermée en se serrant le nez. Et le barman ajoute à souriant en secouant ses gobelets d'argent. De te dire dans du porto, sans les coquilles, ça c'est nouveau. C'est nouveau. De te dire dans du porto. Ça met en vrille les discotos. Ça vous dilate la rate, vous fait gonfler le chaisier. Ça vous rend mou les genoux. Oh, qu'est-ce que ça fout de se dire dans du porto. C'est le cocktail boum pour les dingos. Ce qui fait la différence de mon cocktail avec les autres cocktails, voyez-vous, monsieur, c'est que je n'emploie pas de ces ingrédients difficiles à digérer, tels que le gin, le whisky, le bœuf mironton ou l'alcool à brûler. Non, monsieur, mon idée que je qualifierais de géniale et même de génitale, comme disait Madame de Montespan au baptême de la Cépède, eh bien, c'est le coup des œufs durs. C'est à rien, mais il fallait le trouver. Comme le disait si justement Christophe Colomb en se tapant le derrière dans du verre filé pour se décongestionner les cordes vocales. D'ailleurs, jugez-en. C'était un grand combat, sans chic et sans couvent. Je vous jure que ça gantait, c'est tout ce qu'il se donnait. Les oreilles en chou-fleur, on vit un des boxeurs se répandre sur le tapis complètement engrosi. Aussitôt le soigneur cria, j'ai un truc mon pote, tu l'auras. De dur dans du porto, sans les coquilles, ça c'est nouveau. C'est nouveau. De dur dans du porto. Ça met en vrille les biscottos. Remontons le stock, ton froc, je vais t'essuyer le nez. Vas-y, petit gars, tu l'as fait vite à Valsa. De se dire dans du porto, pour un poids-coq, boum, c'est du chouetteau. La rate vous fait gonfler le gestier, ça vous rend mou les genoux. Oh, qu'est-ce que ça fout de se dire dans du porto. C'est le cocktail, boum, c'est ton nouveau.